L'arbitre donne le coup d'envoi. Oh, l'inspiration! Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Oh, la tête! Et ça peut être dangereux. Allez, c'est dangereux! C'est repoussé par la transversale. La profondeur. Pour trouver la faille dans la défense. Pas de hors-jeu, il y va. Énorme occasion. Il marque. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Bien joué. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Ça peut être dangereux. Il y a mis du cœur, mais il est-il... Une occasion. La frappe. Erding. Oh, quel geste. Il peut en profiter. Et c'est au fond. Ils n'ont jamais baissé la tête, même quand ils étaient menés. Et s'ils poussaient pour passer devant maintenant? Allez, votre analyse, Darren. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Erding. Le coup de tête. Au but pour l'AS Saint-Étienne. Et ils sont à nouveau devant. Tête magnifique. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. Il progresse encore. Un centre au cordeau. Attention. Ça peut faire mal. Oh, ça a touché la transversale. Danilo. Dans le dos de la défense. Ça sent la frappe. Oh, il marque. Et voilà qui rend les choses intéressantes. Le prochain but va être crucial. Vers l'avant. Oh, c'était Jacques. Il joue dans l'espace. Il reçoit le ballon. Il peut frapper. Oh, but! Voilà la situation complètement inversée. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Ils y ont cru jusqu'au bout après ce début catastrophique dans la rencontre. D'autres auraient paniqué, d'autres auraient abdiqué. Pas eux, ils l'emportent finalement.